L'éducation, c'est le maître mot. Alors que demain débute la semaine des langues, intéressons-nous aux techniques qui favorisent l'apprentissage des langues étrangères. Au collège Asselin de Beauville à Ducos, des élèves de 4e utilisent une plateforme collaborative pour échanger avec leurs correspondants états-uniens. Les explications de Sangha Fagour et de Fabienne Léonce. Devant son écran d'ordinateur, Amélie, en pleine visioconférence avec une jeune américaine, seule, ou presque. Bienvenue dans ce cours d'anglais 2.0. Ces collégiens sont en 4e et sont en pleine discussion avec des élèves de Brooklyn. On a commencé à parler des élections qu'il y a eu récemment et on leur a demandé leur avis. Ils nous ont demandé un petit peu quel président on préférait et est-ce que le futur président, il était bien ou pas. En février, les deux classes se sont rencontrées à New York et depuis, c'est grâce à cet outil qu'ils communiquent. On ne parle pas très bien anglais, ni eux très bien français, mais on apprend de jour en jour. À vrai dire, comme ça, c'est plus amusant et aussi plus instructif. Et quand ils nous parlent, on comprend plus que comme si c'était Madame Michel qui nous parlait. Normalement, il y a le son, mais aujourd'hui... Ouais, en fait, là, on a un souci avec les ordinateurs du collège, on n'arrive pas à débloquer le son dessus. Donc, c'est un peu la partie test qui est la partie un peu imprévue. What you see, the movie... Parler une langue, c'est pas que pour du scolaire, c'est aussi pour se faire des amis à l'étranger et pourquoi pas après voyager, etc. What are you talking about? Beyoncé, je les découvre sous un autre jour parce qu'ils ont en face d'eux donc des élèves de leur âge et ainsi ils sont décomplexés et donc ils peuvent corriger les élèves qui sont en face étrangers ou alors se faire corriger par les élèves américains de Brooklyn par exemple. Être enfermé dans une pièce tout en étant ouvert sur le monde, un paradoxe plus que jamais de notre siècle. Et maintenant, le bilan très satisfaisant de la foire agricole du Grand Nord.